Yo yo yo, c'est la team F3. Et aujourd'hui, tu perds, tu repars pieds nus. Épisode 2. Eh ouais mon gars. Yo tout le monde, vous avez kiffé l'épisode 1, voici l'épisode 2. Tu perds, tu repars pieds nus. Pour le premier défi, il faudra faire quelques gestes de freestyle à l'entrée de la surface de réparation avant de frapper dans les cages gardées par JMK, le gardien le plus technique du monde. 3 tentatives par S3 player. C'est bon ? Ouais. Ok mec. Et don't move. It's so great for my city. I'm the realest one that's repping. Oh my god. C'est bête. Dernière frappe. Oh le fils de... C'est parti, je vais marquer 4 buts. C'est un 3 frappes. Regardez-le-moi celui-là, il s'assoit. And why I'm frontin', cause they all pussies. Everybody bumps something, but it ain't bushy. Okay. Toss them in the air and hope that you... Goal! Bam! Line them up and shoot them dead. I wanna see them cry, tell it all in. And why I'm frontin', cause they all pussies. Everybody bumps something, but it ain't bushy. Okay. Fuck them when they wanna hear about it, cause I can't lie. I've been on my own shit, no gears, let's drive. Ride around the block, and I never need a test drive. At least I'm not stressed, I think you got the best life. Le but c'est hors de la surface, je l'ai laissé marquer moi. L'avare a parlé. If I die, all I know, I'm a motherfucking legend. It's so great for my city, I'm the realest one that's repping. La barre, sa chemise là sur sa tête là, qui a dépassé la ligne blanche. En plus, il a un casque sur la tête. D'où fout t'as droit à un casque? C'est pas toi qui es fan de Petre Sec. Hein, quoi? Cause I can't lie, I've been on my own shit, no gears, let's drive. Ride around the block and I never need a test drive. At least I'm not stressed, I think you got the best. What's that? They say we're bringing it. Fuck them when they wanna hear about it, cause I can't lie, I've been on my own shit, no gears, let's drive. Ride around the block and I never need a test drive. At least I'm not stressed, I think you got the best life. En fait, tu regardes trop le sol. Du coup, tu montres pas à la balle que tu veux rentrer dans les cages. Allez, attends, là. Le deuxième défi, c'est le Bomberman Challenge. Tu te rappelles dans la vidéo avec l'anglais l'autre fois là? Ben, c'est les mêmes règles. Sauf que pour sauver ta peau et continuer dans le jeu, il faudra réussir un geste technique choisi par tes adversaires. Vous êtes les lions de l'Atlas, c'est ça? T'as tiré en gars. Vous, c'est les aigles? Ouais, les aigles de Carthage, mon pote. Ouais, de Carthage. Ouais, alors t'as pris ton Carthage pour aller à l'école? Teranga, tu vois ce qu'on a là, Teranga? Teranga, frère! Ta meuf, elle a acheté son Teranga? 3, 2, 1, go! 9, 8,
5, 4, 3, 2, 1. Ouais, non, non, c'est pour moi. Bande c'est de moutons, bah, vas-y. Là, vous voyez, là, c'est Mos quand il a le seum. T'inquiète donc... même pas. Ouais. Pour un geste qui soit faisable, mais qui a beaucoup de chances de rater. C'est-à-dire, oublie le Mishrik, oublie le no hit clutch, oublie son flip. Il sait le faire. Ah, c'est chaud, un bec. Hein. Ah, il peut le faire. Bec. Ouais, ouais, ouais. Sous 40 degrés, tu me demandes un bec. Vas-y, mais allez. Fais-le, double champion de France. J'attends de voir ta performance. Ah, ça te met la pression, hein, ton orteil gonflé là. Ah, alors le bec, il est où le bec? Ah, putain, je pars déjà pieds nus. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Voilà, ta vidéo, elle est finie. Ouais. Voilà. Ça allez, 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 c'est parti. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2. Tendresse, attendu. C'est à moi donc de trouver un geste qu'il peut faire sans faire, mais pas faire. Andreas, il est fort. Quand je connais sa panoplie de tricks. Et vous tous qui faites des slaps, sachez que c'est Andreas qui a inventé le slap. On va être fair play. El Taout. Non, El Taout, il sait faire. Waouh! Là, j'ai sauvé mes yep. Et heureusement pour vous qu'il a sauvé ses yep, parce que vous verriez la gueule de ses yep. On passe au dernier défi, Andreas contre Mos. Les règles sont simples, c'est comme un two-touch challenge, mais avec des tours du monde, parce qu'on est des freestylers, donc du coup, on s'est dit on va rajouter du freestyle. Continuez de nous dire dans les commentaires qui va montrer ses yep, Mos ou Andreas. C'est parti. En fait, je voulais juste pas commencer. 3, 2, 1, go! Hop! 1-0. 3, 2, 1, go! C'est chaud, frère! 3, 2, 1, go! T'es prêt, mec? Oh, désolé, putain, 3-1, merde! 3-1, 3, 2, 1, go! J'étais loin, j'étais loin. Tu l'accordes? Je l'accorde à Mos, celle-là. On est d'accord. Je suis désolé, en vrai. Rematch alors? Ouais. Pourquoi? Ouais, tu rates ta balle et on fait un rematch! Là, là, je suis parti à chercher. Ouais, je suis parti à chercher. Mais là, tu l'as mis sur son gauche. Là, il est vraiment allé la chercher. Ah, c'est mérité. Ça fait combien? Bâtard. 4-3. Elle a atterri là. Tu dépasses. Ça, merde. 4-4. Point d'écart ou pas point d'écart? 2 points d'écart, 2 points d'écart. Point d'écart, ça va en 6. En 5-4. Très bien. C'est chaud. Allez. On peut s'applaudir les gars. Oh, pas pas le gène, il était ouf. Ça va bien. Ça, franchement, respect pour tout le monde. Regardez, vas-y. Regarde, allez, vous savez quoi? Parce que c'est mon gars, j'enlève mes pompes, moi aussi. Ouais, moi, regardez, j'enlève mes pompes. Non, je rigole, la vie de ma mère, j'enlève pas. Jusque chez lui, on va s'assurer qu'il rentre pieds nus, d'accord? Yo yo yo! C'était la Team S3! On espère que vous avez kiffé cette vidéo! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, mesdames et messieurs. Deuxième épisode du perdant qui repart pieds nus. On peut applaudir quand même d'abord le grand champion, Dimigno! Dimigno qui a fait une prestation incroyable. Franchement, Dimigno, respect. Ça fait trop bien. Mais bien évidemment, ce qu'on recherchait dans cette vidéo, eh ben, c'était pas un gagnant. C'était un perdant! Et mesdames et messieurs, nous avons l'honneur donc de vous présenter les pieds de Mos! Je danse pas, c'est juste que c'est chaud!
et du coup je reste pas sur le sol. Ça brûle. Ok, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, mais surtout abonne-toi. C'est chaud. J'ai perdu mon portable, les gars. Ok, bah dites dans les commentaires si vous avez retrouvé, c'est quoi? Vas-y, un iPhone quoi? Un iPhone X. Envoyez un mail, il y a la petite carte S3 avec le mail S3. Et aux alentours de la Villette. Ouais. S'il vous plaît, merci, Port de Pantin, la Villette. On cherche un iPhone X avec des cartes S3 dedans. Merci la famille.